Une transformation isentropique, une évolution isentropique, une évolution isentropique, évolution isentropique est une évolution qui garde l'entropie constante l'entropie constante. On se là de l'entropie constante. Comme exemple, de l'évolution les entropiques. Par exemple, s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'échange s'il n'y a pas d'échange de la chaleur c'est un exemple. Il y a le cas l'évolution isentropique. Et l'évolution aussi doit être réversible. L'évolution isentropique, c'est qu'on a une constante et l'évolution est réversible. Dans ce cas, donc il y a un est isentropique, c'est-à-dire que D de S est égal à delta, la variation d'ils est égale à 0 c'est-à-dire que l'entropie S est constante. Et on a, je fais la vidéo précédente, l'identité thermodynamique les à d de s est égal CV d de t sur T plus P sur T d2V. Ou bon, encore, il y a le cas de gaz parfait. Le cas, le cas de gaz parfait, on peut écrire que dds est égal Cv d2T sur T plus, là, il y a euh, la formule de gaz parfait Pv est n nRT. Donc P sur T, c'est nR sur V. Donc plus n nRT de v sur v. On a dit que euh, transformation l'évolution entropique, Transformation entropique. Donc, d de s est égal à 0. Donc, il y a de la relation, parce qu'on a le de l'I, c'est v d de t sur t est égal à moins nr. D de V sur V parce que l'égalité est égale 0. Alors, à 0. On dit de l'autre côté. Donc, cela, D de T sur T est égale moins NR sur CV D de V sur V. J'intègre, alors bien a LN de T est égal moins NR sur CV, ln V plus une constante. Une constante. Donc, regardez de, de l'autre côté. Donc, ln de t plus ln de v à la puissance nr sur CV est égal à une constante. Donc, la somme de ln, et il y a ln, donc ln de t v à la puissance nR sur CV est égal constante. Or on sait que CV moins CV est égal nR. Donc on a donc là ln delta v à la puissance nR c'est CP moins CV à la CV est égal constante et CP sur CV n'est que gamma. Donc, donc, on a cela là, ln, il T, V, nacp sur cv, c gamma, moins CV sur CV, et on moins 1 est égal, à constante. Finalement, donc, ln, il y a le nombre qui la constante, donc T, V la puissance gamma moins 1 est une constante. C'est la première formule, il loi la loi de la place. On de la formule. l'autre formule. On a, selon la relation, le gaz parfait. Gaz parfait. PV est égal à nRT. Donc, nR est une constante. A de la relation bien est égal à PV sur une constante. Une Donc, je remplace ici. Parce que la T, il y a P V fois V à la puissance gamma moins 1 est égal à la constante, fois constante, donc on a une autre constante. Donc on a CP V à la puissance gamma moins 1 plus 1, il y a gamma est égal à la constante. Voilà une autre relation qui représente la loi de la place. Quand on a la loi de la place, on a les mêmes relations qui représentent une transformation transformation adiabatique. Transformation adiabatique. Donc, quelle est la relation entre une transformation isentropique et une transformation adiabatique La relation, elle reçoit la propriété suivante. Il y a la propriété. Donc, une transformation adiabatique. Et réversible, cette conne les deux adiabatique et réversible et isentropique. Tout mal à réciproque est fausse le cas d'y et réversibilité Une transformation est réversible bien sûr, marque catconche à parce que delta s fait le cas de uh, supérieur à 0. Donc il a la propriété de propriété adiabatique, adiabatique une transformation plus une transformation. C'est et c'est ésentropique. Pour la quantité ou la diabatique reversible, donc PV, la relation de la place PV à la présence gamma, est une constante. ou la quantité d'énergie, adiabatique, adiabatique, plus c'est transformation une